Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Emoji où je vais vous montrer comment dessiner Bilal Hassani. Juste avant de commencer, je voudrais préciser quand même que c'est pas parce que je le dessine que je cautionne ce qu'il a pu dire ou quoi. Voilà, je vais pas parler de ça, je vous montre juste comment le dessiner en version Emoji. Pour commencer, vous allez faire un petit cercle. Une fois que vous avez fait le cercle, on va placer un trait vertical et un trait horizontal à la moitié. Au niveau du trait horizontal, on va placer ses yeux et pour ça, simplement, on fait deux petits arcs de cercle de chaque côté. Pour son nez, il a un nez assez pointu et plutôt fin. Donc en fait, on reproduit la même chose, un nez assez pointu et plutôt fin comme ça. Il a des grains de beauté, on lui en fait un là et un là. Alors on exagère volontairement. Pour sa bouche, on la fait juste ici avec des lèvres assez marquées. Il a un visage assez fin avec le menton bien marqué. Donc ici, on allonge un peu le menton et ici, on remonte. Les lunettes, on les fait tout simplement comme il les a, de grandes lunettes comme ça qui contournent les yeux. On fait les petits traits ici. Et enfin, ses sourcils. On fait de gros sourcils de cette manière-là. Ensuite, on va faire ses cheveux et on va faire sa perruque blonde. Donc pour ça, ici, on fait la tranche, entre guillemets, de ses cheveux. De ce côté-là, on va venir descendre complètement sur un côté. Comme ça. Et de l'autre. De l'autre côté. De cette manière-là. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà fini le croquis au crayon. Et on peut passer à la première étape de l'ancrage avec un Sakura 0,4 mm. Et je vous rappelle que mon matériel de dessin est disponible en description. Et voilà, une fois qu'on a fini la première étape de l'ancrage, on attend un peu que l'encre sèche et on gomme les traits de construction. Ok, pour la seconde partie d'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. Une fois qu'on a fait ça avec un feutre à alcool noir, on peut colorier déjà les pupilles. Pour sa couleur de peau, j'utilise un Copic beige.
Ensuite, j'utilise un Copic un peu plus foncé pour l'ombre. Pour ses sourcils, j'utilise du gris chaud neuf. Pour ses cheveux, j'utilise la couleur pale yellow. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur cream. Et voilà, on a terminé pour le petit emoji Bilal Hassani. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.